Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-06 où on va débriefer la rencontre entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Le Racing Club de Lens qui a été défait 2-0 ici au stade Bollard de l'Hélice. Mais il y a quand même plein de choses à dire sur ce match, tant les Lensois ont été valeureux, conquérants, malgré cette sixième défaite de la saison. On va revenir sur ce match avec un invité de prestige, un invité de marque, champion de France 98 avec le Racing, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 99 aussi, gros palmarès, c'est Frédéric Déhu. Salut Fred. Bonsoir. Ravi que tu sois là, c'est ta première dans le 19-06. Oui, bah, ravi d'être avec vous. C'est un grand plaisir. Et évidemment, on va dérouler, comme d'habitude, les cinq thèmes de la soirée qu'on a concocté là, il y a quelques minutes. On va démarrer par le premier thème, évidemment, de la soirée qu'on a concocté, c'est le mot solide. Parce que sur les premières minutes, le PSG a mis en place ce jeu de possession, qui évidemment un peu leur marque de fabrique, la marque de fabrique de Luis Enrique. Et pourtant, les Lensois ont montré beaucoup de solidité et ont fait bloc et ont été très intelligents, je trouve, dans le coulissement du bloc. Comment tu as trouvé un peu ce bloc Lensois dans les premières minutes face aux Parisiens ? Je pense que le Racing Club de Lens a fait une très bonne entame de jeu. La preuve, c'est qu'elle a mis en difficulté cette équipe parisienne qui, oui, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est qu'on connaît cette capacité et cette maîtrise technique qu'ont les joueurs pour avoir la maîtrise du jeu. Les sang et or ont été vaillants dans la percussion, ce qui a amené ce pénalty au bout de 5 minutes de jeu et qui aurait pu changer... je dirais, la physionomie du match. Bien sûr, effectivement, c'est dommage que Premislav Onwuski l'ait loupé, c'est son premier loupé normalement dans cet exercice-là. Normalement, il est plutôt efficace. Et surtout, pour revenir un peu à ce bloc défensif qui est assez solide, là où ça marchait beaucoup, vraiment bien, c'est qu'on voyait que le Paris avait peut-être un peu plus de mal sur ces phases de possession longues, alors qu'ils étaient assez efficaces en contre. C'est là où peut-être le Lens a un peu pêché, c'est sûr. Peut-être ces longs ballons que Marquinhos, par exemple, envoyait à Mbappé sur des situations comme ça, où la vitesse de Barcola, de Dembélé et de Mbappé peut-être faisait beaucoup plus mouche que sur des actions posées, où le Racing, là, réussissait à imposer sa défense. C'est un petit peu aussi la dangerosité du système de jeu lensois, c'est-à-dire avec ces trois défenseurs et puis ces deux pistons qui laissent des espaces sur les côtés. Et effectivement, les Parisiens en ont profité par rapport aux deux joueurs qu'ils avaient mis eux-mêmes dans ces couloirs-là, qui sont des joueurs de vitesse. Et on a pu s'en apercevoir à plusieurs reprises. Mais effectivement, je dirais que Paris avait cette maîtrise technique, cette conservation, mais j'ai trouvé que les Lensois, dans cette première mi-temps, leur avaient posé pas mal de problèmes et avaient pu aussi rivaliser. Après, il y a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des faits de jeu qui ont fait que on a vu une équipe lensoise en deuxième mi-temps avec beaucoup de cœur. Qui s'est même créé, je dirais, les meilleures occasions du match pendant cette deuxième période. Mais bon, on sent la réussite escomptée. Si on reste sur cette première mi-temps et on va l'analyser peut-être aussi avec un des acteurs principaux, c'est Lilian Nalis. Merci d'être avec nous dans le 19-06. Un plaisir. Effectivement, c'est ta première, toi, sur le banc en soi en tant que coach principal comme ça. Comment tu t'es senti peut-être dans cet exercice-là, peut-être pour commencer ? Non, je me suis très bien senti. Le plan de jeu, tout était préparé, il n'y avait plus qu'à dérouler. Donc j'ai essayé d'encourager au mieux et d'accompagner au mieux les joueurs qui étaient sur le terrain. Et comment, parce qu'on parlait avec Fred un petit peu de la solidité du bloc lensois sur les premières minutes face au jeu de possession parisien, comment peut-être vous avez réfléchi un peu la tactique de jeu face à justement à ce jeu de possession ? La volonté, c'était d'aller les presser haut. Donc quand on veut aller presser haut, à un moment donné, il faut accepter qu'on va jouer des 1 contre 1. Donc à partir du moment où on déclenche dans les bons tempos, qu'on est à bonne distance et qu'on met la bonne agressivité, on a réussi à récupérer des ballons. Alors c'est vrai, pas tout le temps. On a subi quelques phases de transition. Mais bon, après, une fois qu'on est dépassé par le ballon, on a cette capacité à faire les efforts pour remettre du monde rapidement, revenir rapidement. Mais... voilà, c'était le plan, c'était chercher à les agresser dès que possible, à récupérer le ballon et à chercher à se projeter vite vers l'avant pour,
pour les mettre en difficulté. Ça marchait plutôt bien parce que vraiment, comme on disait, sur les phases de possession, on était plutôt solide. Là où les Parisiens ont fait mouche, c'est sur contre-attaque. Et on en vient au deuxième thème de la soirée, qui est le mot coup dur. Malheureusement, on prend ce but à la 30e minute, c'est sur une contre-attaque. Alors qu'à ce moment-là du match, on avait encaissé très peu d'actions, très peu d'occasions en tout cas. Il fait mal ce but parce qu'il y a quand même cette volonté du Racing d'aller de l'avant quand même. C'est dommage. Ouais, il fait mal surtout parce qu'on est aussi sur une perte de balle ou une perte de balle qui est évitable. Et je pense que dans la tête des joueurs, à un moment donné, quand on sent qu'on a le ballon comme on l'a à ce moment-là, on ne s'imagine pas la perdre. Et donc, obligatoirement, le fait de la perdre, la réactivité derrière, c'est un peu plus délicat. Mais voilà, on savait qu'ils étaient capables d'attaquer la profondeur. On avait plutôt bien géré les équilibres jusqu'à ce moment-là et on l'a payé cash. Il y a aussi un autre coup dur, c'est le carton rouge qui arrive juste avant la pause, carton rouge de Joukradi. Toi, Fred, peut-être je vais te poser la question, parce que tu es évidemment ancien défenseur. Comment, dans cette situation-là, qui est difficile, parce que là, Barcola élimine plusieurs joueurs et à la fin arrive sur Joukradi, qui est à peu près le dernier défenseur en possibilité de pouvoir le stopper avant qu'il aille au but. Est-ce que le geste qu'il fait est un petit peu malencontreux ? Est-ce que c'est un réflexe ? Comment on peut, en tant que défenseur, arrêter ce type d'action quand on voit que ça va au but comme ça et que c'est très dangereux? Déjà, d'une, c'est difficile. Mais en plus de ça, parce que l'adversaire arrive lancé suite à un double contact de mémoire où il élimine ses adversaires directs. Après, je pense que le joueur lensois essaye de récupérer le ballon. Malheureusement, il fait une faute et pour être sincère, j'ai cru que moi l'arbitre allait revenir sur sa décision, tout simplement parce que il pensait que le joueur était déjà entré dans la surface de réparation et qu'il allait siffler un penalty et revenir sur sa propre décision qui était un coup franc. Mais après, je vous dis, c'est difficile parce que ça va vite, l'adversaire est lancé et par contre, c'est très dur. C'est très dur parce que juste à ce moment-là du match, perdre un joueur ou en plus de ça, on a un score à remonter, c'est très compliqué. Et puis, ce qu'il faut, et je pense que Lilian, ça a été le mot durant la mi-temps, c'est essayer de remobiliser tout le monde et puis dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Et puis, on connaît le cœur lensois. Donc ça a été la preuve, parce que durant cette deuxième période, je pense que les actions les plus concrètes ont été lensoises. D'accord. Et toi, Lilian, de ton point de vue, est-ce que tu trouves que ce carton rouge est mérité, entre guillemets ? Tu le trouves dur ? Alors, bord terrain, je le trouve dur parce que en fait, je sais qu'il va checker la VAR pour dire que Joukradi est dernier défenseur et que plus personne ne peut intervenir. Sauf que moi, j'ai une image où il y a encore trois joueurs autour, parce qu'on est quand même beaucoup à lutter pour essayer de récupérer le ballon. Et j'ai l'impression qu'on peut encore défendre derrière Joukradi. Alors c'est vrai qu'après, quand on revoit les images, à partir du moment où il a choisi le côté intérieur et que je pense que le seul joueur en capacité encore à défendre était à l'extérieur, donc obligatoirement à une certaine distance. Donc, Joukradi était bien le dernier défenseur. Donc, s'ils appliquent le règlement, c'est carton rouge. Bon, évidemment, c'est dommage, mais il y a eu aussi un remaniement tactique qui a été intéressant à la mi-temps. C'est que vous êtes passé, évidemment, un peu à contre-courant, mais vous êtes passé à quatre défenseurs derrière. C'est le troisième thème de cette soirée. Le remaniement tactique, donc, quand vous êtes passé à 4, c'était évidemment, il fallait le faire selon toi, de passer à 4, c'était vraiment obligatoire pour pouvoir amener autre chose avec l'entrée de Chavez. Déjà, on perdait 1-0, donc il fallait trouver une stratégie qui allait nous permettre de garder quand même du poids offensif. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la volonté de passer à 4. Après, Fetou avait eu une petite gêne musculaire, donc il a arrêté à la mi-temps. Et puis non, dans le projet, c'était de faire deux lignes de 4 avec un attaquant et puis de récupérer au mieux le ballon dès que possible, mais on savait très bien qu'ils allaient nous mettre sur un bloc bas et qu'on allait être obligé de jouer
des transitions sur des récupérations basses. C'est ce qu'on a, je pense, plutôt bien fait quand on l'a récupéré. Et comme l'a dit Fred, on s'est créé de belles occasions ou situations sur ces phases-là. Très bien. Lilian, merci, on va te libérer peut-être. Merci beaucoup d'être passé dans le 1906. C'était un plaisir. Et puis on te reverra peut-être sûrement. Merci beaucoup. Ouais, c'était Lilian Nalis qui aujourd'hui était coach principal du Racing sur le banc en remplaçant de Franquès qui était lui en tribune suspendu. Donc on va peut-être passer tout de suite au quatrième thème de cette soirée. Vous êtes bien dans le 19e, on décrypte et on débriefe ce match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Ce quatrième thème de la soirée, on l'a baptisé jusqu'au bout parce que comme tu disais Fred, et vraiment ça s'est vu, c'est que les Lensois ont montré un visage très conquérant. Et je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, ça a dû t'arriver plusieurs fois dans ta carrière d'être réduit à 10 et derrière d'avoir la volonté d'égaliser, de revenir au score. Comment on se, peut-être, qu'est-ce qu'on se dit peut-être à la mi-temps ou entre joueurs pour se remobiliser ? Bah après, pour être sincère, quand vous perdez à la mi-temps 1-0 face au premier du championnat, qui est le Paris Saint-Germain, avec toute cette maîtrise technique, tactique que les joueurs ont. Je crois que la seule réflexion qu'il peut y avoir, c'est de dire, bon, essayons, on va peut-être avoir une seule chance durant les 45 prochaines minutes, essayons de la saisir, et puis essayons de se créer une opportunité ou plusieurs pour pouvoir revenir au score. Parce que subir, on va subir, mais bon, le but, il n'est pas non plus d'encaisser un nombre incalculable de buts, il est de faire bonne figure, et je pense que ça, le Racing Club de Lens sait bien le faire. Et puis, voilà, ils ont joué un football qui était différent de celui habituel. Et c'est là où ils se sont créés certaines situations et certaines occasions, avec un petit peu plus de réussite ou avec un petit peu plus de maîtrise. Celle-ci aurait pu aboutir par un but lensois. Et quand on est à 10 contre 11 et qu'on réhabilite, là, le système a été réhabilité, on a 4 derrière, etc. Comment on arrive aussi à rester compact ? Parce que c'est aussi ça, quand on est face à des attaquants aussi forts, aussi efficaces, souvent aussi qui arrivent à déstabiliser souvent l'adversaire, à percuter Mbappé, Bercola, même Vitinha était assez dangereux. Comment on reste très compact ? Parce que souvent, il y avait quand même plusieurs joueurs lensois sur des très petits espaces compacts sur les Parisiens. Mais la grande difficulté contre cette équipe parisienne, c'est qu'elle vous aspire et puis elle joue énormément dans des petits périmètres avec deux joueurs de couloir qui prennent la profondeur et qui sont extrêmement rapides et puis un Mbappé qui dézone, qui vient chercher le ballon assez bas. Et donc, il faut garder une certaine vigilance, une certaine concentration sur les déplacements des uns et des autres, surtout que vous avez des joueurs qui percutent, comme Vitinha l'a fait, comme Ugarte l'a fait, comme aussi Zaïre Emery. Donc, il faut garder une certaine vigilance et puis être concentré sur toutes les courses des uns et des autres. On parlait de défense, mais là on a un des grands acteurs, c'est Kevin Danseau. Hi Kevin, merci d'être venu dans le 1906. Comment tu t'es senti quand vous êtes devenu, maintenant vous étiez à 10, comment vous avez réussi, on parlait de ça avec Fred, comment vous avez réussi finalement à bien contenir cette équipe parisienne, parce qu'en fait vous encaissez que sur une contre-attaque en fait. Donc sur le jeu placé, comment vous avez fait pour réussir à contenir au maximum les Parisiens, même à 10 contre 11? On a resté bien concentré, c'est ça qu'il faut le faire contre les équipes comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de qualité. Si on fait, c'est pour ça qu'on a fait un bon match. Vous avez dit, on a cassé que le but sur contre-attaque. Bien sûr, ça c'était, je trouvais que c'était assez impressionnant, on en parlait avec Fred. Vous avez non seulement bien défendu, mais en plus vous avez eu vraiment des vraies occasions, des occasions qui ont été, qui ont failli même être concrétisées à plusieurs reprises. Il y a eu des entrants qui ont fait du bien. Quand Angelo Fulgini est rentré avec Adrien, etc., ça a fait beaucoup de bien. Donc là, c'est vrai que ça, vous avez montré vraiment beaucoup, beaucoup de caractère. Bon, malheureusement, ça se termine sur un 2-0. Le deuxième but, il est compliqué à éviter, Kevin, selon toi. Parce que vous en êtes sur une contre-attaque, vous êtes vraiment en sous-nombre. Je ne sais pas si tu n'étais pas sur l'action à ce moment-là. Oui, j'ai fait un retour sur le corner. Après, c'était un bon passe de Ousmane Dembélé.
un bon but de Kylian Mbappé. Ils sont des joueurs avec beaucoup de qualité. Ils besoin pas vraiment les grands écarts pour marquer. Et ils ont montré encore une fois, ils sont de bons joueurs. Mais comme j'ai dit, on a bien commencé le match. Si on marque au début le pénal, mon chance là, ce qu'on a, je crois que c'est un match total différent. Et surtout, tu trouves que vous avez fait un bon match quand même dans l'ensemble, un match cohérent. Mm-hmm. Tu trouves que vous avez fait un bon match? Oui, oui, oui. Comme j'ai dit, on a très bien commencé. Et là, si on marque, comme j'ai dit, c'est un match différent. Mais on a quand même bien joué, mais comme j'ai dit, ils ont beaucoup de qualité. Après, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais les occasions ils ont eu, ils ont marqué. Merci Kevin. Merci. De passer dans Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. C'est top aussi de voir entre anciens défenseurs du Racing et actuels, voir un petit peu ces passations de pouvoir, c'est aussi intéressant. Les nouvelles générations. Ouais, la nouvelle génération aussi. c'est bien quand même, de passation de pouvoir. Bon, c'est intéressant. Vous êtes toujours dans le 19-06. Bien sûr, il reste encore quelques minutes pour débriefer ce match. On va passer au dernier et cinquième thème de la soirée qu'on a nommé bilan et perspective, parce qu'on va pouvoir quand même regarder ce bilan du Racing qui, même si comptablement, évidemment, ce soir, on n'avance pas, parce qu'il y a eu quand même une autre défaite aussi à Nice. Mais c'est quand même le top du top, c'est vraiment les deux premiers de manière du championnat. Le Racing reste quand même 8e, 5 points du top 5. Là, il y a deux matchs qui arrivent, deux matchs à l'extérieur, à Toulouse et à Nantes. Comment tu analyses finalement là, un petit peu là, ce qui arrive pour le Racing au point où il en est dans cette saison? Bah déjà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Racing Club de Lens cette année avait de nouveaux challenges, c'est-à-dire que la participation à la Champions League était déjà un élément important de la saison pour le Racing Club de Lens. Je crois qu'ils ont démontré un très beau visage, ce qui leur a permis aussi, par le biais de leurs résultats, de se qualifier pour l'Europa League. Et puis maintenant, on sait très bien que pour un effectif comme celui du Racing Club de Lens, allier les deux compétitions qui sont la Champions League et le championnat, c'est pas forcément facile. Donc il faut aussi accepter qu'on n'aura peut-être pas le même rendement que la saison précédente, mais j'ai aucun doute sur les capacités aujourd'hui du groupe Lensois à pouvoir répondre dans cette deuxième partie de saison pour pouvoir atteindre les objectifs du club, parce qu'il y a du potentiel, il y a de la qualité. Maintenant, c'est juste par rapport peut-être à la saison dernière ou aux saisons précédentes, c'est juste ce petit brin de réussite que par moment il n'y a pas et qu'il y avait les saisons précédentes. Et donc, il faut continuer dans cette voie-là et puis croire en cette qualité du groupe pour aller jusqu'au bout et puis sortir d'une saison qui restera, je suis sûr, positive. Évidemment, et puis surtout là, le début a été compliqué. Mais au final, on voit qu'ils redressent la barre malgré la Champions League. En plus, il y a eu aussi des résultats en Champions League qui ont été extrêmement positifs. Et encore la Ligue Europa qui va être une bonne occasion aussi de pouvoir montrer sur la scène européenne que le Racing peut performer. Donc là, ça va être intéressant. Comment aussi, toi, peut-être un petit mot aussi sur la saison européenne là, du Racing? Comment tu vois un peu cette confrontation en Ligue Europa face à Fribourg? Est-ce que tu connais un peu cette équipe? Je sais pas, ou est-ce que tu as observé un peu? De toute manière, vous savez, dans les Coupes d'Europe, hormis quand vous jouez contre les grosses équipes européennes, je suis partisan de dire que tout est permis, parce que ça reste un match de Coupe d'Europe, ça se joue sur un match aller-retour. Donc aujourd'hui, le Racing Club de Lens n'a rien à envier à Fribourg. Donc, elle a toutes les capacités pour passer au tour suivant. Maintenant, il faudra voir dans quelle disposition elle se trouvera au moment de la double confrontation. Mais à ce jour, je dirais que c'est du 51-49 pour le Racing Club de Lens. Donc, je ne vais pas dire 50-50, mais je donne l'avantage au RC Lens et j'espère qu'on pourra continuer à les supporter dans cette compétition. Complètement. Eh ben, c'est entendu.
En tout cas, on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup, Fred, pour ton analyse et ton expertise sur cette rencontre entre Lens et le PSG. On rappelle, le PSG s'est imposé 2-0 ici à Bollard de l'Hélice. Bien dommage, mais le Racing reste 8e au classement en Ligue 1 Uber Eats. Et deux prochains matchs, bien sûr, à venir face à Toulouse et au FC Nantes. Avant de nous quitter, petit point quand même à ne pas négliger, c'est que la vente aux enchères des maillots de ce soir au profit du centre de formation du BCM Gravelines Dunkerque vient d'être lancé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez évidemment soutenir ce grand club historique du basket français. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi le 1906. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle émission. À très bientôt.